Mbate kolobe la situation territoriale et souveraineté ya mboka na biso situation sécuritaire oyo ezali koleka makamu nyonso liko salema na est ya mboka na biso parce que tozali na Congo moko mboka oyo yango koko batikela biso alors lelo oyo tozali ko continuer toujours na ko dénoncer puis na ko déplorer ba propos ya Kagame wazali président ya Rwanda walobi ete azali ko continuer toujours poursuite na ye na partie est ya mboka na ya RDC pour ka récupérer ba terre oyo na 1884 Rwanda zali ko exister te RDC zali ko exister mais Rwanda zali ko senga mabele na RDC ndenge nini pays zali ko exister avant ye nyonso wana tokoyeba yango na kati ya émission ya lelo et bongo tokomeka un peu ko parler sur ba renforcement des positions oyo zali ko salema na partie est oyo zali ko profiter na ba M23 3 hélicoptères automuni zo renforcer ba M23 na ba munitions nyonso wana tokomeka un peu ko partager yango na kati ya émission ya lelo bongo tozali na sénateur Marcel Oyo bongo to partager les sujets à l'élo mbote mon amboka mbote monsieur le journaliste na bandi été population congolaise nyo sali ko landa yo bani na besoin ba yeba l'élo ba vérité parce que mboka auto na mboka ka moto na mboka mususu te soki to longwe na RDC to koma ba patrite donc il ko sala passe na mboka na biso alors situation ali ko leka na est ya mboka na biso ni ko sala passe ba congolais ba ligi ba yeba l'élo oyo M23 ali ko renforcer ba fort ba position na est-ce que zali te pas zonga boto la goma. Je pense au cours de l'émission précédente, na mettait que nous allons vraiment allons à large. Tout le monde que l'EAC et Yaki apprennent à distraire le gouvernement congolais, pendant que de l'autre côté, le M23 a qu'on renforcer la position. Naïe. Vous vous souviendrez, il y a deux semaines passées, le VP Ma Défense a été alerté. A monitoré les hélicoptères, il y a l'armée rwandaise, ils ont renforcé la position à M23. Je pense que le VP Ma Défense à l'ensemble qui souhaite d'alarme na yango. Ce qui se passe au Congo, je pense dans le bango à chaque émission que c'est un complot international. Aujourd'hui Kagame joue le tout pour le tout na Congo. Yango moni Kagame a auto ça va propos moko expansionniste awa ya koloba ke azo revendiquer toujours mabele na bango na Congo pendant que le Rwanda azana mabele na kati ya Congo te. Par contre, c'est le Congo qui devait réclamer une partie de sa terre na kati ya Rwanda. Parce que partie occidentale, il y a Rwanda, il y a le Congo, aujourd'hui, Gisenyi et puis Rubavu. Mais pourquoi Kagame continue à s'entêter? Tout le monde a dit le président français Macron a dit Oyo, par rapport à la feuille de route qui a été signée, il y a un délai dans Rwanda, le 5 mai, ce qui Rwanda a retiré la troupe, il y a sanctionné Rwanda. Où en sommes-nous avec les sanctions contre le Rwanda? Pourquoi Kagame s'entête-t-il? Qu'est-ce qui se cache derrière cet entêtement à Kagame? Bon, on comprend qu'il y a une force étrangère, on comprend qu'il y a un impérialiste qui a déterminé cette fois-ci, il y a qu'on matérialise le plan dans le Congo. Il y a un moni la MONUSCO, et Senga, notre gouvernement, a ba force, il y a autodéfense, les Ouazalendo, il y a une formation à Kitona. Pendant que la MONUSCO a dit bien que ce sont ces forces d'autodéfense, ils ont en mal. Aux alliés, la stratégie à M23 parce que bon, mais c'est bah il tire on a malam. Et là on est ben avec bon moment entre rencontre et bitou qui est na Moïse Katumbi. Y a un camusi ben amboka. Une certaine opinion bah se poser bah question. Moïse Katumbi asa un simple président ya Mazembe. Alors bitou qui est parce que Moïse asa occupé aucune fonction étatique dans cette amboka na bisou. Mais comment est-ce que bitou qui est a occupé que son na Katumbi mais Italie sécurité à partie est na bisou. Qu'est-ce qui se cache derrière cette rencontre? Il y a un autre lobby, la MONUSCO, ils ont joué double jeu impérialiste. Au cours de l'émission, Awa, bras équilibré, il y a un impérialiste pour balkaniser le Congo, c'est la MONUSCO. C'est la MONUSCO, le autre, c'est le Congo, parce que c'est le Congo, 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 et ça limite moi recule alors que tous les comme on a négé ni ni bah position il y a M23 ils allaient qu'on allait renforcer mais tous les comme on a
est un bon canabiso, bah oh basali na bah il faut tiens bah faire des ces maboko pour que bah benga na bah rebelle bah on peut basui bah quitter si na bah on maboko bah basali sous ça na bah on sous bah force offensive t'es alors où basali ça na est un bon canabiso basali bah complot basali bah situation où est-ce que c'est engagé t'es est canabiso là bah balkanisé les complots na hauteur que l'oba ah ouais na l'oba on a persisté ça les complots y a maramba Congo basali complot moko international. Peu importe la volonté, il y a des organisations sous-régionales comme régionales, tellement dictées aux talibans dans l'impérialiste, le Congo doit se méfier dans les organisations internationales et régionales. Le Congo doit comprendre que les revenus à mettre à condition notre armée pour défendre notre pays. Au cas contraire, nous serons surpris. Parce que le Congo, le gouvernement congolais, a se laissé berneter. Par ces impérialistes là bah on distrairie et peu importe la volonté tout monde qui est assez qui a par rapport à la feuille de route ils ont signé na kati ya Luanda na kati ya Nairobi par rapport à leur mission ils ont qui traqué ba groupe armé mais tout monde aussitôt foulé le sol congolais tout monde déclaration avait changé par le commandant Jeff Naga a démissionné pendant que notre sous-chef d'état major Chiko Chitambo Zama Luba alobi que non tout ce pays n'a arrivé il y a EAC na kati ya mboka na biso pona ko prêter Congo main forte to traquer les M23 et les groupes armés mais tout moni lors il y a prise il y a parole il y a Jeff Naga alobi le contraire ya oyo Chiko Chitambo alobati que les forces régionales ayé awa pona ko bundate mais ayé awa pona ko luka que le gouvernement congolais ait négocié avec les M23. Mon amboka, mon ité que depuis annonce ya SADC, ya force ya SADC na partie est amboka na biso nde sali ete force ya EAC lelo ba gumba na bango maboko parce que otali ko mona na est amboka na biso liko mona lokola bandeko ba yaki pour que ba sunga biso ne ba gumbi na bango maboko si longtemps bandeko bazali ko kufa to ti ko mona ba 11 morts oti ko salema entre ba milicier ya Kodeko alors EAC o yaki ko bumbisa ba rebelle bazali ko bunde sous te est-ce que dali par rapport ya annonce ya SADC na partie est ne sali bongo te mwanambo. La mission de l'EAC a été déjà avortée parce que le gouvernement congolais ayant compris que l'EAC a joué double jeu, il y a un moni le chef de l'État et le gouvernement congolais ba senga ki départ et ba force régionale na kata sol congolais. Depuis baya awa, on a dit président, résultat na bango sur terrain et ça qui satisfaisante. Au regard, il y a une mission où ils ont confié à Bango, il y a traité le groupe armé. Pendant que l'EAC était sur terrain, tout le monde, les M23, renforçaient ses positions. Au vu aussi, il y a une force régionale, il y a EAC. C'est-à-dire que Bango va faciliter M23 pour qu'on coin sa gomme. Heureusement, le gouvernement congolais ayant compris ces jeux, a court-circuité. Et le Rwanda, tant que Moni, le chef de l'État l'a dit que non, d'ici juin, le 15 juin, lorsque mission à EAC est comme en terme, il faut pas plier bagage bakindi. Au moment où les voix se sont levées, Kagame Telemi, Uganda Telemi, bah ils ont instrumentalisé le secrétaire exécutif Wana a tenu des propos contre notre chef de l'État. C'est pour dire que le chef de l'État a compris que malgré la bonne volonté à Zana Yango, on a recouté la carte à EAC, mais Batu Wana va jouer jeu à l'impérialiste. Il y a un moment où on va faciliter les M23 pour recouvrir sa gomme. Parce qu'il faut bosser dans la stratégie est la même. Il y a pour faire tomber une grande ville pour contraindre le gouvernement congolais à négocier avec les M23. Et c'est la stratégie. Voilà pourquoi notre gouvernement a jugé bon de mettre fin avec la mission à force régionale. Ce est commis en terme d'ici le 15 juin. Il y a un moment où on a sollicité qui maintenant la SADC a prêté biso main forte pour nous remettre fin à l'insécurité dans la partie est en Bourgogne. Alors, à propos expansionniste, Kagame Oti Koloba, parce que Zali, à propos de Zali, très 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 dangereux. Alors, bien, Zali, toujours, on a souci, on a poursuivre à Boto Namabele, à Mbokanabiso, et dans la partie est en Mbokanabiso. Alors, bien, Zali, déterminé à Boto Namabele, à la partie est en Mbokanabiso. À propos, on a vis-à-vis, à propos, on a tout comme on a été VPM, il y a affaires étrangères, Christophe. La RDC va saisir la justice internationale pour na ba propos oyo Paul Kagame azali koloba. Mais derrière ba propos wana, derrière ba faisabilité azali ko sale ba tomoni Kagame asomi mabele na Congo Brazza. Tomoni Kagame azali ko somba ba hectare na hectare tout autour et ba pays voisin. Est-ce que azali te pour encercler République démocratique du Congo? Je pense na lobango au cours de toutes les émissions dans les Caraïbes, Sarabino que Congo
ils sont victimes, il y a un complot international. Na meka ko sala un peu moi ko pesa bino place complot ané banda banda ni bazalaki autour d'une même table ba grande puissance ni bazalaki autour d'une même table la Belgique, la France, la Grande-Bretagne na l'Allemagne Kagame azali simple porteur ya plan au ba pesier par les impérialistes pour balkaniser notre pays. Ya ngomoni Kagame continue à s'entêter parce que le Congo d'abord il a à ratifier tous les traités internationaux, dans l'organisation internationale, le Congo a ratifié. Mais pourquoi est-ce que l'un des pays membres, il y a ONU, est agressé par un autre État, mais vous ne trouvez pas de solution? Vous devez comprendre. Kagame et Lelo, par leur stratégie, tu ne vas pas comprendre que non, tu sais qu'ils avaient compris leur stratégie, il y a un recours sa Goma, tu sais qu'ils ont renforcé l'armée sur le terrain. Avec du matériel ou à Sombaki, avec l'effectif Yassika, tellement sur terrain, les M23 accoutent une résistance farouche, les FARDC, et bien contenir les assauts, mais il faut pas contourner maintenant les G. Il y a un moment où il y a un système d'infiltration à Goma. Mais malheureusement, on a sous-sous, on a par nos services d'intelligence. Si on prend qui, quelques éléments M23, s'infiltrent en tenue civile dans la carte à Goma. Les plans continuent. Il y a un moment où Kagame joue le tout pour le tout. Il y a un moment où Kagame a bandit que son mabélé dans le pays limitrophe de Nabissou. À Sombi, dans le Centrafrique, il y a un moment où il y a Sombi, dans le Congo-Brazzaville, il y a un moment où il y a Sombi, a été récemment, il y a un moment où il y a Angola. Déjà que le président angolais a permettre déjà que l'ambassade de Rwanda est dans le Rwanda. Il y a un lobby. Qu'est-ce qui se cache derrière Bahachem Mabélé Wana? N'est-ce pas pour encercler la RDC? Toi, même l'insécurité est causée maintenant l'élo, na kata Maloukou, na kata Menkao. Il semblerait que ba milice wana bazo uta na kata Brazzaville, bazo kata pour semer terreur na kati ya mboka na biso. Ba Mobondo, la milice ya Mobondo wana. Vous comprenez? Il y a votre lobby que le gouvernement congolais a se laissé berner par les pays limitrophes à mboka na biso, notamment l'Angola, Denis Sassou Nguesso. Bango nyoso wana ba osala carte ya Mundele. La carte ya Mundele zali ke il faut mettre yango ces plans et déjà en cours. Yango toujours na kata Congo. Que le gouvernement congolais ba se laisser berneter. Ba fungola misu. Na bisa ki bino a cours d'une émission que le gouvernement congolais ba zwa ba décision salvatrice oyo ko sauver mboka na biso. Ba décision courageuse. Ya liboso ko benga na la MONUSCO na kata mboka na biso. Vous comprenez? La MONUSCO a compris que les forces d'autodéfense, les Wazalendo, ba maîtriser terrain à Goma Malamu. Ba ngonde ba zo traquer ba mouvement M23 parce que na kata FARDC, il y a beaucoup de complicité au bien haut. Oza dit na infiltration au sein de l'armée. Mais les Wazalendo, ba ngonde bazali la pièce oyo ba sali obstruction na plan on a rebalkaniser Congo pendant des années. Ba s'opposer farouchement na kata ya plan on a balkanisation. MONUSCO a compris cela maintenant. Il est venu jouer la manœuvre naïe. Il y a le gouvernement congolais à Zoua. La force d'autodéfense, le Wazalendo, qui est dans la formation na Nanini. Et le gouvernement congolais a compris ce jeu, il a refusé. Pendant que le gouvernement congolais déjà a opté comme un réserviste et l'armée congolaise. Ces forces d'autodéfense, c'est un travail impeccable. Il va mettre en déroute M23 dans le territoire de Belé à Mboka Nabissou. Contrairement à Oyo, MONUSCO a Zoloba. Il y a un qui MONUSCO a impliqué à salir le gouvernement congolais, que les FARDC a travers un mouvement, un groupe armé. Elle faisait allusion à MONUSCO, dans un groupe d'autodéfense Wazalendo. Pendant que Bazaban a Moka, on va défendre Mabélé Nabango. Parce que les Wazalendo ont compris que le seul héritage, on a pété la partie est, et ça, Mabélé Nabango, il ne faut pas défendre. Voilà, mon Mboka, tu as dit comment on a été à chaque fois mission, il y a MONUSCO et comme on a souka, insécurité, Bakisama, il y a des soucis, Bakisama. Tout le monde a dit que les bandes qu'on a mis sur est, Marchaka, Bakisama, même sitting dans le quartier général, il y a MONUSCO pour revendiquer, pour qu'on ait un départ Nabango. Oh, le départ na bango balobi ba komisi yango a 3 phases. Phase ali bosse salamaki, phase ami ba les salami, phase ami sa to ali bongo na 2024 ne départ ya MONUSCO ezali ko salema. Lelo oyo population pe azali ko se préparer pour que asenga départ ya EAC ezali ko salé sur le côté na kati ya parti est ya mboka na biso. To la ni déclaration ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na départ ya EAC. Est-ce que to li na ko ndimisa ma
été ba force wana nyonso egotika parti est un mboka na biso. Bien sûr que oui, mais les chefs de l'État aimeraient qu'un peu qu'éclaircir sur un certain point pour comprendre. Alors biboy, il n'est pas question il y a retrait, il y a RDC na kati ya organisation na EAC. Pour la nini? Parce que si le Congo et côté qui na kati ya et ça dirait qui na kati ya EAC et ça qui peut aider nos compatriotes à partir est na ba commerce transfrontalier pour leur faire bénéficier ba pour faciliter bango et libre circulation il y a bien et des personnes na biloko na bango. Mais concernant maintenant les forces régionales, le Congo a rompre avec la force régionale oh il y a qui peut traquer ba groupe armé na M23 le Congo sengi bango ba libérer to mettre fin ce qui nini mandat comme le 15 juin ba libérer Congo. Mais le Congo demeure toujours membre na kati ya EAC parce que et ça qui de ba raison économique ne président à cause ça qui mboka na biso na mboka na pour faire bénéficier à nos peuples de l'est oh ba lia ka mingi biloko outre na partie est na biso na frontière na biso c'est ça ba raison mingi ya qui économique la raison sécuritaire est après parce que EA aussi faisant aussi partie à EAC et sur le statut sous appui na bango ba aider Congo pour traquer les groupes armés parce que la charte na bango lobibo si l'un des pays membres est attaqué tous ces pays parties prenantes ba ont prêté une forte yango Félix aussi la deuxième raison a intégré qui faut organisation na EAC mais du reste le col a résisté na bango satisfaisante. Le gouvernement congolais a estimé que il faut que la force régionale va rompre avec la mission au Pesa Kibango au Baza incapable d'exécuter yango ya ko traquer ba groupe armé. Mais quant au retrait ya Congo na kata EAC, il n'est pas question parce que les raisons ezali économiques ne président a été ko signifier yango tant que ndaki na kati ya Namibie avec les na Botswana avec les diaspora la diaspora congolaise. Ayebi sibango il n'y a pas question ya ko retirer Congo na kati ya EAC. Il est question de ya ko mettre fin avec la force régionale ya EAC na kati ya Congo parce que les résultats ezali satisfaisantes. Voilà, d'ici le 15 donc na fourchette il y a le 15 et tu le 20 force ya SADC DG kokoma na kati ya parti Est République démocratique du Congo. Est-ce que ce qui le loyo force ya EAC et sali retraité na ba date wana ce qui le lo SADC et koti na kati ya parti Est nani akozwa commande sur Moninga? Non, déjà dès lors que l'EAC mission na yosi le 15 juin automatiquement la SADC azo kote na kati ya mboka na biso. Je pense que ba rozela ba mbale défense na kati ya Congo te parce que l'EAC azo bima SADC azo kota. C'est ça. Donc ils ont la tête que ba mbale ba na kati ya mboka na biso. Non, parce que EAC a la kisi déjà incapacité na ya ko sa la mission ba confier qui a ko rétablir pe na kati ya Congo. Est-ce que au créer bitumba te parce que otomoni ça la plupart ils a vraiment question oyo même ngai da tuna ki yango mais na pré émission ba komela ki ngai pe na ba message ebele population lobby est-ce que ekozala bitumba te parce que otomoni Kenya tango Jeff Nyaga a longo a sali d'émission na ye Kenya directement a sali nini a nommé mutu sans qu'a consulté ba tu donc ezala ki déjà pour na kola ki sa été ba goûter déjà sentiment ba goûter déjà délice ya ba minerie ezali na est ya mboka na biso est-ce que ozala facilité batika partie est facilement kaka boye. Je pense le Congo c'est un état souverain sur la chef de l'état il a été clair Congo a sa direct na EAC de bonne foi. Il n'a jamais été imposé au Congo à côté na EAC par quiconque. Et puis comme il y a peu force régionale, le Congo est libre. Est-ce que tu peux imposer à quelqu'un l'aide? Non. Si on sollicite nga opesa nga aide, na boy aide, je suis libre ya kuzobi ya ko renoncer na aide na yo. Mais pourquoi l'EAC a zo tenir toujours à zalaka na Congo? Vous comprendrez que parce que complot les a avortés. Le gouvernement, heureusement, a comprendre le complot on a temps, à Tshisekedi, à court-circuiter yango. Yango moni, malheur na bango yango wana. Moi, je pense que Kenya EAC est posé problème ti. Parce que le Congo a contacté na EAC de bonne foi. Tellement moni qui résultait à satisfaisante, à saigner bango babi, mais ça clair. Au cas contraire, le Congo a aussi une armée. Le Congo a une armée. Mais moi, je pense que Toko Mawana ti. Parce que même bango babi que le Congo est un état souverain. À Sénat qui m'a dit bon, on a fait beaucoup d'idées, à Monique, résister à la liste satisfaisante,
à Sengibilope, pour libérer le territoire, mais calmement. Voilà, pour libérer le territoire, il y a parti Est. Il y a un peu de temps, il y a un peu de déclaration, il y a VPM, il y a un peu de temps, il y a propos Kagame, il y a un peu de justice internationale, il y a un peu de temps, mais la communauté internationale, depuis que l'attaque, il y a des sanctions contre Rwanda, contre les rebelles à M23. Président Macron a été à Oa, Oa Zali, quand même, Oa Zali, Oa la partie dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Aye Awa, tout le monde changement. Yé moko na mono kona ebi misi ete, boze la, so ki ete, dat tope si pona cesse de fait, simbite, toko sala, toko sanctionné Rwanda, et puis na ba rebelle à M23. Mais dat wana depuis le kale toko mi déjà, so ki 2 mois yangouyo. Et Rwanda et France, azali toujours ko continue ko fournir, et fond na ya pesa ka na armée rwandaise. Nyo, ba communauté internationale ou ananyosu, est-ce que lelo ou RDS a ko compter la communauté internationale pour na retour à paix à partir à Estembo? Pas du tout. Il y a un moment où le président ayant compris ces jeux, a bandé qu'on former armée. Tant qu'on a lancé une mobilisation générale, il y a un jeune, il y a aussi râlé dans 4 affaires de ces parce que le président ayant compris ces jeux, il y a un moment où on a été dit que tu as le budget où il y a loué dans 4 armées. Dans non, mais salamate, 1 milliard 600 millions. Parce que le président a compris ces jeux. Au moment où on a fait autre chose, il y a eu ça qui est autre fois au cours d'une émission, Congo est qu'on déclenche guerre contre le Rwanda. Parce que tu sais que tu as commencé à nous dire la souka. À épuiser toutes les voies diplomatiques. Il y a que Tali Sabino que mon pays est agressé par le Rwanda. Mais c'est tout à fait normal. Au moment où on a sanctionné le Rwanda, on a dit au début, Kagame et le Rwanda sont des simples porteurs. Il y a un plan paisible par les impérialistes. C'est ça le problème. Il y a un moment où Kagame a dit que la France a relevé le dépôt sur le lobby, a mis ça en poisson. C'est ça le problème. Il y a un moment où Tshisekedi a compris ce jeu. A Kenabango méthodiquement. Lelo Oyo a tché bango domi. Tant qu'il y a 45e sommet à Conseil de sécurité. Il a été clair. A dit au président, vous avez les rapports à Monisco là. Ils ont condamné Rwanda. Ba preuve Zali Wana. Kabola rapport Wana à tous les membres. Pourquoi mon biango pour aller? C'est pour vous dire qu'il y a un G. Ils ont un niveau à la communauté internationale. Bah, on s'en semblant. Bah, yébi, au Kaga, on s'en a kata Congo. Mais moi, je pense, le Congo a un certain niveau dans qui yo, toi, à la défensive. Parce que tu veux défendre l'intégrité territoriale de l'Abissou. Il y aura un moment où le Congo passer dans la vitesse supérieure, où c'est une offensive. Parce que le Congo, jusqu'à ce qu'il y ait un à Sibisaka, où il y a une humiliation à Rwanda. Le moment viendra où il y a un souvenez-vous, de ce qu'on a cours d'une émission, tant que M23 sera qui va assaut dans le territoire de l'Abissou, va rouba Rwanda. Le président avait appelé notre chef d'état-major, Tshiwewe, à ce qui est préparer les troupes. Tant que le président a été à Angola, à Outiangola, tant qu'on a dit Kagame, que vous n'avez que 2 possibilités, soit la paix totale, soit la guerre totale. Il avait instruit au chef d'état-major, à lui préparer les troupes, nous allons à la guerre contre le Rwanda. Option à Rwanda, ils ont écarté par la RDC. Mais la RDC a joué par la diplomatie pour éviter de tomber la piège des impérialistes. Parce que pour eux, bah, on a un prétexte, place Nini, bah, on va là. Pour avoir justifié raison. Et donc, tu sais qu'il a compris ce jeu, toujours à se respecter. Bah, cahier des charges n'y sont au bah au signé au coup il y a bah sommet n'y sont à se participer. Le moment viendra à Otali c'est bah au noir sur blanc le cola Kagame a se respecter bah feuille de route ôtée. Alors maintenant moi Congo je vais m'en charger maintenant il y a qu'on défendre Mbokananga. Il va déclarer la guerre contre le Rwanda. Apaisez-vous mon frère. Voilà, les autres dit que mon amboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République azali ko tambola. To mona ki na sommet ya SADC et sika wa PP azali moto ya SADC azali ko kumba lelo SADC. To moni na Botswana et sika wa pakendaki a lobby par rapport ya situation no c'est liko le kana est ya mboka na biso. Lelo o azongi. To moni li sous sorti ko kende na oyo et pa ya président Denis Sassou Nguesso azongi a permité lelo o Azali Bongo na sommet ya CIRGL kuna na ngambo ya Luanda ba nyonso azali ko sala po na ko sala retour a paix mais toni ko mona ete ba ndeko na eta ko azali ko kende na bango wana bazali ko jouer de face bazali ko la kisabiso ete moke bazali na RDC moke bazali na Rwanda est-ce que tokoki ko konté na ba ndeko nso bazali na tour ya mboka na biso Félix Tshisekedi pays limitrophe yango moni il avait misé pour la politique ya bon voisinage pour faire comprendre à tous ces pays limitrophes que nos populations sont appelées à vivre ensemble à vie. Ne pensez pas que tant que vous semez des gens, vous n'avez pas de moninga et profitez de vous. Parce que guerre tant que vous bandaka,
et banaka. Mais tant aussi la créé banaka te. Parce que Kagame a un monopole ya bitumbati. Peut-être le gars azo bosse ngo peut-être. Azo kanisa ke si la RDC est attaquée, France va aussi dans militaire français ba yo bunda contre lui. Il se trompe. Ata la Ukraine. Ukraine les a détruits à cause ba impérialiste on va aussi Ukraine. Ah, Kubangate, nous sommes derrière vous. Quand il nous sort à Ukraine. Les Rwanda a subi le même sort dans Ukraine. Parce que s'ils pensent que les Américains, bah, qu'on devrait me marier sur Américains dans la Rwanda, bah, na simaru ya armée rwandaise, ah, mais quoi ça? Yango mo Tshisekedi, partout à Zolika, a offert comprendre bah, homologue na yé. Y a région, na sous-région que nous sommes appelés à collaborer. Parce que nos peuples, nos populations sont appelés à vivre ensemble à vie. Mais ceux qui manquent, ils ont pensé que ces mêmes troubles dans le pays à Muninga, ils ont profitable pour nous. Ils se trompent. La RDC aussi peut créer des troubles dans le pays à Bango. C'est ça le problème. Et on a été relis au cours d'une émission. Nous avons connu des groupes armés dans Mboka Oyo, où ils ont une obédience dans le pays limitrophe de Nabissou. Notamment les raids de Tabala. Ils ont un mouvement d'opposition à Burundi. Ok? Aux îles Ngomino. Ils ont un mouvement d'opposition à Rwanda. Aujourd'hui, les Mbororo, ils ont un mouvement d'opposition à y a Soudan. Aujourd'hui, bah ADF Nalu, mouvement d'opposition à Ouganda. Mais comment expliquer les pays d'accueil où il y a un bimbo Kimi, Bitumbaboye, Nambokanabino? Qu'est-ce qui fait que tous ces pays sont retournés contre les pays d'accueil? Vous comprendrez qu'il y a une manipulation quelque part. Parce que Congo-Brazzaville et un militaire, il y a ex-DSP. Ok, Azoa Bango, à Garda Bango, tu es au Kata Mukuromoro, tu pendant 20 ans, bah militaire ya Mobutu ya DSP, bah Baloukela armée brazzavilloise, tu monate Angola et Yamba, bah ex Katangi, bah Baloukela gouvernement angolais. Mais comment est-ce que ces groupes armés, au moment de combattre bah pays de bah respectifs, les Congo les a accueillis? Babaloukoubounissa Congo, qu'on crée insécurité, qu'on crée terreur dans le cadre sol congolais. On comprend qu'il y a une main noire derrière. Mais l'impérialiste va changer sa mission, va se retourner contre la RDC. C'est ça le problème. Et on a l'objet de Congo, que le gouvernement congolais aussi a monté sa stratégie. Pourquoi ne pas qu'on soit responsable du mouvement, du mouvement de Nyonso, qu'on arme aussi, va attaquer le gouvernement de Bango. Parce que tous ces pays sont des hypocrites. Vous comprenez? Armer les rebelles de Tabala, armer les Ngomino, armer les autres, les ADF, va attaquer Ouganda, va attaquer Burundi, va attaquer les pays limitrophes, il faut attaquer Bissau. Lelo parce que situation est allée collègue na est en Mboka na biso parce que tout monde était lelo au Rwanda zali déclaré premier producteur ya or to yebi ke na Rwanda or ezalakate lelo ba investisseur bazo ke ne mingi pa ya Kagame ole ke ba le kapa na biso ba yebi ke pa na biso to zali na ba minerai stratégique plus de 80% ba minerai stratégique o ezali ko lukana na monde na RDC zali le lenge kani et to zali ko mona été insécurité zali ko kota est-ce que zali te pour que permettre insécurité on a et demeurer kaka pour que bango ba yiba ba minerai. C'est ça la stratégie. Créer l'insécurité, créer insécurité dans la Kachambo Kanabiso pour permettre Bango bah, de minerai à Congo. Les chefs de l'État, quand on a lancé un bah, appel d'offres, il a exploité un bah, bloc gazier, un bah, bloc pétrolier. Il a appelé toutes ces entreprises françaises, notamment Total et les autres. Pendant que ces entreprises françaises bah, exploitent la Calbert. Aujourd'hui, frontière entre la RDC et l'Ouganda. Ben, exploiter le pétrole, le gaz, le Rwanda. Mais ben, boycotter le Congo. Pendant que le Congo a une quantité importante que le Rwanda et l'Ouganda. Ben, boycotter le Congo. On comprend que tous ces mafieux ben, ont dicté à l'Ibanda. Pour la Banque, ben, contraindre le Congo économiquement. Il y a une économie à Congo est extravertie. Il y a une dépréciation à dollars. Ben, ça, il y a un décès. Pour la crise économique, quota. Crise et insécurité pour pas justifier la balkanisation en Bokanabiso, pour pas justifier copier nos minéraux. C'est ça le problème. Vous comprenez? Il y a une contrainte du gouvernement congolais, n'a pas opposé le peuple congolais, le gouvernement congolais par rapport à la crise. Et récemment, le peuple congolais a comprendre Yango. Par rapport à la crise, Congo, les Congolais ont un espoir avec la volonté politique du chef de l'État, mais il y a que l'eau est la meilleure pour Nabango. Ni t'étais cela. Mais nous avons déjà qu'il y a tellement de gouvernement congolais. Parce que le peuple congolais n'est plus libre.
Vous comprenez? Parce que leur stratégie est liée à créer sécurité dans la partie est d'abord à la Bissau. Si la gata capitale est au bout de c'est la stratégie. Le système de milices, les groupes armés, pour paralyser le Congo, pour se mettre terre, pour qu'il y ait beaucoup de déplacés, bâtir le territoire, la zone, la vendre, la bâtiment, pour que Bango exploite les minéraux congolais. Et c'est la stratégie. Moi, je suis en sécurité, je suis en démarrer. La sécurité, ils ont guetté la ville-province à Kinshasa, la porte entrée à la ville-province à Kinshasa. Tout le monde a dit que les gens qui ont été morts, ils ont continué toujours. Ils ont compté 40 dans le cas de Bandundu, ils ont Kimi dans Bandundu, ils ont Kwango, ils ont porte. Il y a Maloukou, porte il y a ville à Kinshasa, ils ont guetté dans l'insécurité. Alors, qu'est-ce que le gouvernement a réservé pour nous rassurer et sécurité, ils ont la pour que ville à Kinshasa, ils ont la a servi dans l'insécurité. Je pense que notre VPM intérieur, il avait tenu une réunion, je crois, le premier ministre avec le VPM associé avec le service il y a défense Nabiso, parce que Mesir Moko, il y a Makassi pour nous mettre fin. Dans ma venture au Salama, dans ma partie où ils ont touché l'insécurité, notamment Kwango, Maloukou, Kwamont et puis Mbinza aux zones. Déjà, les lots, et non, c'était avant-hier déjà, nos phares baissés, menaki baksu à grande envergure. Je pense qu'il y a beaucoup de morts dans les milices, il y a beaucoup de pertes en vie humaine parce que l'État, la force reste à l'État. L'État doit imposer son autorité sur toutes les personnes qui sont sur le sol congolais. Et on a dit que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se certains d'entre eux, les miliciens Mobondo, ils ont été en train de se derrière. Il y a une main noire, les politiciens congolais, derrière ces milices Mobondo. On a créé, on a semé terreur dans Maloukouna, dans Kwamout et puis dans Mbinza aux zones. Vous croyez, je crois, l'image des alliés dans les réseaux sociaux, vous avez vu comment arrêter bah, par nos phares blessés. Et puis beaucoup sont morts avec des bandes rouges dans Moutou, donc ça dit que la cérémonie va être déterminée. Vous comprenez? Or, derrière cette milice, il y a des menaces de politiciens congolais. Les lois, est-ce que les politiciens congolais ont besoin de conscience pour participer au développement de Mboka Nabiso cannabis? Parce que, Tolanda Kibongo, le président de l'Assemblée nationale, tant que c'est un député, il y a d'une manière particulière un député, mais d'une manière particulière aussi un député, d'une manière générale un politicien, il y a quitté les groupes armés. Les lois, est-ce que Mboka Nabiso est un compte de politiciens congolais pour le développement de Mboka Nabiso? Non. Tant que politiciens n'ont pas été, surtout les opposants, bati. Les autres moni, les oyo, Kabila a quitté aux affaires, mais sa main noire est toujours derrière la politique à Congo. Vous comprenez? Kabila a quitté Kingakati à Kena Kashamata. A comme la Kashamata, quelques jours après, toki insécurité bani nakati ya Katanga, Katanga batumboki. Il a fallu le président à dépêcher le groupe spécial, il y a JR, pour rétablir l'ordre dans le Katanga. Tant que mon plan a échoué, je vais vous dire ça. Parce que les politiciens congolais, dans le cours des émissions, ils ont préoccupé le pouvoir pour le pouvoir. Il y a une déclaration qui a soutenu le cardinal Ambongo. Tant que il a Kingakati, il a été clair. Ici Olive Boy, n'a qu'au porter yo, n'a au bal n'a au soutien n'anga. C'est grave, c'est grave. À mon moment a oublié que régime ouana et bêta ba prêtre n'a qu'à ta église et imilé ba prêtre et c'est comme on mutaka là. Mais à mon moment a ici Olive que compter sur mon soutien. Soutien on a un nini. Parce qu'il va assurer, ils ne sont plus aux affaires. On comprendrait autant que ça ok. L'Église catholique roule pour les Européens. Quel était le plan? A quel premier favori, à quel Nakingakati Basololi, à salut voyage à quel Katanga? Na quel Katanga, comme na Katanga, Mamoro Yoki, prêtre à Katanga, Fulgence Moutiba, a initié rencontre. Cette rencontre, il fallait salama entre Moïse Katumbi et Kabila. Mais se sont rendus compte que, ce sont les entre Bangoui Balé et qu'on reversait, parce que Ngara Outaï Kingakati. Mais il faut maintenant associer tous les Katangais, entre guillemets. Au cours des plans, les prêtres Fulgence Moutiba à Bengisi Bango.
Parce que le candidat à Kabila, c'est Moïse Katumbi. Pourquoi? Bah, je partage bah, son même pareil qui est Kagame. Ok? Il y a un moni, bah, je suis. Moni Fayou. Fayou, bah, si, bah, son billet. Alors, je suis une candidature, il y a Moïse Katumbi. Nakata a complot, wana, Kabila aurait instruit, na bango ke, bah, je Franck Diongote. Bah, je suis tout. Talabie, na opposant au bazui, Franck Diongo Azate, Mouzi to Azate. Parce que, bah, batana mi balé, bah, ku circuité plan na bango. Quelque part, Mouzi tout et Diongo sont des Congolais quand même. Parce que plan, aux gens se préparer à l'étranger. Ok? Au lendemain déclaration, il y a, ancien premier ministre Matata Ponyo, ici, qui a parlé, était hier, Azali, qu'on reconnaît toujours le président Joseph Kabila. Il est le président Oyo a mérité, na mboka na biso, a lobié, a boycotté, au Kenya, l'Union sacrée, à la qui s'y était, Azali, toujours pour Joseph Kabila, mon mboka. Parce qu'il n'y a pas besoin préparer. Kabila est la commissaire congolaise. C'est tout à fait normal. Aza redevable pas Kabila. La commissaire congolaise, c'est Kabila. Aya na mboka oyo vers les années 90 na loba ona au cours de toutes les émissions na lekaka Vincent de Paul Lunda Bululu a loba ki madame Ponyo ngai premier ministre asala ki chargé des missions ya Rwanda na kata Zaïre so akoma congolais kan soko moni ba rwandais ba soutenir moto faut faire très attention parce que mboka oyo za infiltré TGA ya Snel Kayombo Muluba mais c'est un rwandais. C'est tout à fait normal. Il y a un plan qui se prépare froidement. Les candidats à Kabila, c'est Katumbi. Fayoulou a quoi accompagner Katumbi. C'est ça le plan. C'est de définir le cadre Kinakati. Et j'ai bénédiction, il y a moi dans mon cas, cardinal Ambon. Il y a moi qui, c'est lui, à celui qui par tous les moyens pour réconcilier Kabila, na Katumbi. C'est lui. Tant qu'à comme Kuna. Il a confié la mission na prêtre Fulgence Muteba ya Zongi. Alors, pour les reverser, non, reconnaissance de tous les Katangi. À quand est-ce que ma Katangi va avoir un problème? C'est ça le plan. Il y a un boni, il y a Olive Katumbi, va compter dans le soutien. Il y a cardinal Ambo. Soutien, il y a Nini. Point d'interrogation. Il y a un autre qui dit Awa. Sont allés bien, destruction à Moka Oyo. Et vous êtes toujours dans la confession religieuse catholique. Tozana Moka Oyo, n'a mis tout dans la question. Nous avons connu presque 4 cardinaux dans la Moka Oyo. Mais les 3 sont de l'espace équateur. Pourquoi Rabango? Pourquoi tribalisme wana? Sans l'intention de tribalisme. Pourquoi seulement bango tous les 3 bango dans espace ya équateur. Maloula. Azaki Mongo, Mouluba. À part Mosemu. Ok? Azaki Moussakata. Et tu, yé. Pourquoi seulement là, ils allaient rencontrer Nabango, Yabanan? C'est qu'il y a quelque chose où ils se préparent en coulisses, voilà. Parce que tu comprendras que, tel un cardinal, on a un rôle à jouer dans le Mboka. Toujours dans la conférence de la souveraine. L'opposition, l'union sacrée de l'opposition. Avec Tshisekedi, même des porte-parole. Bah, paix sa confiance na moi na Mboka, cardinal Mosengo, à l'époque, archevêque ya Kisangani. Mais il a trahi le peuple congolais. Mais c'est le troisième Vokengo. Toujours les catholiques. Pour que Mobutu, avant de pouvoir éternellement na Zaïre, toujours les catholiques. Bah, il y a des gens qui sont des prêtres. Bah, on va catholique. Et Abbé Malumalu. Malumalu, pardon. Tu vois, moi je pense que les Congolais doivent comprendre. Et puis je regrette ma propos naïe, un cardinal, na Katia Omeli, à Zoé soit fidèle que ma promettant qu'il m'a promesse et l'équipe mingi. Donc, il y a qui s'en va naïe et ça a mis la politique. Il y a un assez à Kaye, moi n'a pas qu'à Fridolin en bon. On n'a pas qu'à Sima Soutan. Bimba, ça la politique active. Tu vois, on découvre naïo. En ce moment-là, tous les coups seront permis. Soit on n'a pas retenu. Par rapport peut-être à titre nayo. Vous comprenez? Mais trop, c'est trop. Au cours d'une messe, a traité chef de l'État de menteur.
Et pas juste ça, avec ça, ma fidèle catholique qui est, bah qu'il y a awa, bon voté, bah voté. Mais c'est grave. Voilà, c'est lui qui est la plaque tournante, il y a complot, il y a Congo. Parce que, tel un complot, voilà. Au moment où, dans la première réunion, bah associé moi dans Mukwege. Mais Mukwege, dans la deuxième réunion, bah ayaté. Pour la nini. Parce que, candidat, il y a Kagame, et Zali Moïse Katumbi. Donc, candidat, il y a Kabila. Ezali Moïse Katumbi a sa bénédiction à Rwanda. Maintenant, Mukwege a sa candidat européen. Ce qui a posé problème. Il faut maintenant négocier entre les deux tendances. C'est ça, Mukwege s'est réservé. Fayulu fait le jeu, il y a Kagame. Il est à quoi accompagner Katumbi s'il serait candidat dans l'élection 2023. Fayulu. Il y a un moni par rapport à ce complot. Kabila avait insisté. Abona Mouzi Touté, Abona Franck Diongoté. Parce que yebike, les deux personnalités wana bazaba congolais de père et de mère ba ko circuiter cop wana. Parce que melo, imaginez-vous, toujours un président grec, sa femme rwandaise, maison civile la chef de l'état, mais tout na ba rwandais awo. Et tout na ba rwandais awo. Mon amboka to ali na bandie to ali ko mala biso na point o yo toni to lobela sikoyo et situation ezali ko sala pasi. Tolo bakaka avant que na situation wana to zu mois idée moko mukele lo yo Frank Diongo azali ko lela za se retrouver te mon amboka. Est-ce que a se retrouver te parce que azali ki impatient to parce que a bénéficier quand même na lit na été wa sali diran ba batan e belé boy. Le coso de bomi Frank Diongo. Frank Diongo Kabila a incarcéré en prison. Tshisekedi aye. Alobi ke a osé la bino mesure de grâce bobi mana prison. Frank Diongo a dit qu'on menace le président dans la prison. Comme si c'est un droit pour lui. Ce n'est pas un droit. La grâce présidentielle, ils allaient droiter. Ils allaient volonté à chef de l'État. Le pouvoir est discrétionnaire. Alors que non, on a accordé une mesure de grâce dans Moutoui. Mais Frank Diongo en a fait un droit. Depuis prison. Le président qui n'a pas été, a mis ça en prison. Aïe Awa, avant qu'il s'est renommé ministre ou même mandataire, a joué en côté. Il a dit qu'on négocie avec les proches chefs de l'État. Entre autres, le CG Kabuya et puis Maître Peter Kazan. Bah, rassurez-vous, nous sommes en pourparlers avec le président, sois calme. Tellement, il a dit impatient, bah, conseil de la miette, il y a Kachoboué, à se déchirer, c'est la déclaration. Mais le Oyo, où en sommes, bah, si il se touche, non? Ce sont des petits politiciens. Je regrette pour Frank Diongo. Bah quand rouler dans farine de rouler dans Fayulu na ba Katou. Tu vois. Bah pèse un mort c'est la déclaration contre Félix Tshisekedi. Mon goûta Kachobwe. Les lots en somme. Bah tiens de côté parce que c'est la volonté de le maître qui est Kabila. Bocha mutu wana pembeni. Il est nulle part. Bah bengani pour l'opposition pouvoir bah bengani soit zawa. Voilà l'immaturité politique à homme congolais. Et bah toi boy tu peux savoir pouvoir na Congo. Mboye kawani. Tozo lo bela situation ezali quand même comme ça la passe les autres ont eu un message ya bande konyo so de PES et puis to yambaki awa moko ya AFDC maître Bazin Pembe wa mekanye pe ko parler sur la situation ezali ko leka crise ezali entre de PES na AFDC. Lelo oyo nani azolo ba vérité nani azali ko lo ba lokuta. Bati dans ses œuvres. Il ne joue pas frangé. Liboso a IDPS na chef de l'État. C'est un hypocrite, ce papa-là. Je suis désolé de le dire. Bazin Pembe ne peut que dire ça. Parce que, à ce sera dans ma belle, il y a Baat, il ne peut que dire ça. Il va savoir l'Obani. Quand on a quatre unions sacrées, président assemblée provinciale, il y a Tanganyika, AFDC. Donc, quoi ici, gouverneur à IDPS. Allez-y comprendre, c'est un paradoxe. Aussi longtemps qu'il y a une union, c'est qu'il y a quatre unions sacrées. Ah! Au sommet, on a du temps de Kabila. Fragilité, zali ko uta wapi. C'est ça dans auto lisa OK. Moi na mboka bati lu kweba jouer frangeté vis-à-vis à IDPS. Que le CG doit comprendre ça. Que tous ces opportunistes ba autour na yé, soit les présidents ba jouer frangeté. Leur mission est de fragiliser IDPS. C'est ça la vérité. CG à comprendre rien mot. Si on passe avoir confiance aveugle, il va le regretter demain ou après demain. Comment expliquer ça?
les autres c'est comme on a bah force oh bah y est coup ça bah comme ça ma boîte on a eu deux pèses bah force on a bah c'est qu'on travaille beaucoup plus qu'on les canaille deux pèses bah c'est qu'on gère bien sûr que mon tout président c'est d'aller dans mon président Félix Antoine Tshisekedi mais ce qui était bah zupé majorité présidentielle est-ce que bah Kozongi sa président Tshisekedi na Makambo elle est quittée pour qu'elle bascule vers Union Sacrée. C'est ça notre crainte en 2018. Kabunda a dit ça, parce que toi, la majorité, moi, tu es la autre bizarre. Tombouna 2023, toujours la majorité. Mais avec la ligne où vont les choses, ma partenaire va écouter la sa sérieté. Ma chère, ma calme, qui est libre, c'est elle qui met la mouka. Dépêche la mouka. Ma stratégie, il y a des secrets dans le pays. L'AFDC a récupéré ma gêne. Au moins, on a joué ça au Awa. Oye, majorité ba jeune, ba dans la liste ba jeune na ba quartier, il y a ba 50 jeunes ba 100 jeunes. Oh déjà ba rassurer bango que bango ba ko voter ba député na bango. C'est parmi les stratégies. Mais notre parti l'UDPS, voilà la stratégie non pas sa CG. Parce que nos candidats, la plupart de nos candidats ba novices sur terrain. Les élections au Congo, ils allient sociologique et tribal. Que les prétendants candidats IDP ne vont pas comprendre rien. Bah, qu'on vote tout simplement parce qu'on dit photo à Tshisekedi. Non. Parce que l'homme est attiré à ce qui brille. Namis. Tant que l'euro, moi, c'est la formation sur les projets. Bisson a projet. Avant de réaliser un projet, il faut d'abord identifier le problème. Après avoir identifié le problème, né. Ou quoi mener la solution au problème. Et c'est bien mon élection. Les électeurs vont aller à Ndoumba. Tant que vous avez une autre, ou un verre, ou un jour élection, vous votez. Vous avez combattu à l'IDPS, vous avez moko. Tant que vous avez majorité, vous avez député à l'IDPS. Il faut avec des sympathisants, vous avez l'IDPS, tu sais qu'il dit. Mais ces gens-là, il faut que les verres, c'est le moment. Mais qu'est-ce que font nos candidats? Est-ce que c'est le CG? Il faut que ça va voir qu'il y a la base de la ville respective. Pendant que l'IDPS est le parti le mieux implanté, il devait travailler avec nos présidents cellulaires. On a dit que dans les candidats de la circonscription telle, on l'occupe président cellulaire, il y a contré Oana. On a dit qu'on travaillait sur ça. Apporter des solutions, des petits problèmes à la population. Pour que les présidents, les électeurs, bah, gravent la mémoire naïe. Quand on rejoint en 2023, bah, on vote avec les choses, l'appui, il y a combien de IDPS, bah, on vote facilement. Mais nos candidats, bah, il y a une stratégie on a dit. Qu'ils viennent nous chercher, tu sais pas comment faire. Lelo oyo sans changement moko et salema déjà tous ali na mi-mai donc ça reste peut-être deux semaines pour na ouverture ya ba dépôt ya ba candidature et salema ndenge seigneur le ba qui était ba candidature et salema na mois de juin pour na ba député donc législature et ou banana mois de juin awa est-ce que lelo oyo il doit passer une stratégie moko pour convaincre la population et que à ravir beaucoup plus tôt ya ba député na République démocratique du Congo l'IDPS a plus de chances que le cas tous les partis dans le Congo. Du point de vue ancrage naï. Mais il faut maintenant l'exploiter. Dans notre émission, awa, que nos prétendants candidats députés. Bah, on a dit que toi, ma structure, il y a parti, toujours il y a des partis. Toi, c'est vraiment ma stratégie à faire. Dans 2006, le parti le plus haï dans le monde, on s'est perdu. On a vu Jekwa, bah, après, l'on a fini, il a fini à CG à cause de l'ignorance dans le monde. Bakalisi ba combattant ba za ba ntaba bisusu ba uti poto ba ye awa ale candidat IDPS ba combattant ba yebioti même si ba présenter yo à la veille d'élection au sein de moins de chance à cause il faudra déjà que cela que se familiariser avec ben électeur na yo c'est maintenant il faut le faire vous comprenez moi je suis natif à Matete aujourd'hui député OML sur na za Matete oui. Comme on est Kimingaï. Député Wana a réunir ma jeune ma maman. Il y a 32 quartiers à Matete. Chaque semaine, on a réuni ça à Bango. Bah, ça n'y est. Bah, mais ça n'y est. Ma problème, c'est que Mike, a résoudre Bango. Or, t'as Bango, voter chef de l'État, bon, voter Ngabani. Déjà, peuple, t'as un médecin dans la Moutouana. Il y a un changé, peuple, dans un clé, on changé à voter. Mais nos députés, ils ont rêvé, ma casse, ils ont compris.
Après, je vais finir la CG, je vais ignorer la CG. Bisous, nous sommes là. Les combattants de l'IDPS, oh, baza, 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 allez-y, comprenez, papa. Voilà, merci beaucoup, mon amboka, sénateur Marcel. Nabandi était lelo oyo, tout ça, parce que fallait tout solo la makambo, tali mboka, parce que mboka n'a bisou d'arra moko. Nabandi était Congo Live Télévision, cœur de l'information. Nabandi était caméra et zali nango wana, ou pèse un message nabandi gonos balandio pour que bayoka le sénateur Marcel. Message zali kaka que toujours signe naba congolais nyonso, ba comprendre que dénominateur commun n'a bisou ali Congo. To mettre de côté nos égaux, to mettre de côté ba tendance na biso politique parce que le Congo nous appartient. Ba politicien ba ko sabinoté. O ba en opposition, ba lo ka ba kota aux affaires pour abenterer na bango. Pendant que le mboko ezo kindi. Depuis M23, abanda ko agresser Congo. Na nous to yoka Moïse Katumbite qui est prétendant candidat à condamner Rwanda na M23. Pona nini? Parce que sa femme est rwandaise. Ma beau frère Naï. A côté de la bande. Tomoni Awa. Tangu. Balobi Makambu. La partie est en Bokanabiso. Kaga Malobi Keno. Bazo réclamé. Il est parti à Mabéle. Là-bas, on a Congo. On a vu un proche de Katumbi. Appuyer cela. Allez-y comprendre. Un proche de Katumbi. Appuyer Malobaya Kagami. Alors, bon comprendre. Bande Konangaï. Congo, Oyezali, héritage. Onzamba Pessingaï Naïo. Jeunesse congolaise dans l'ensemble, qui nous en particulier, tout élément, tout élément de distraction, on va politiser, on va côté Sabissou, on va avoir intérêt dans le monde, on va faire malade. Tout ce qui préoccupe aux opposants congolais, ils allaient pouvoir pour le pouvoir. Moi, je pense que si on a dit Congo réellement, ses opposants, on a dit qu'on s'est derrière les chefs de l'État pour faire face contre ces complots internationaux auxquels notre pays fait face. Mais bon, on va dire complot au Congo et ça contre Tshisekedi. Or, balkaniser Congo, bon, balkaniser dans Tshisekedi, c'est le Congo que vous prétendez diriger demain. Voilà pourquoi j'en appelle à la conscience des Congolais. Tout élément, tout bunda pour n'ambo kanabiso. Ceux qui t'ont bundité, monte à quoi bundé la bisoté. Tout monde n'ambo kanabiso, bah bundé l'ambo kanabango. Bah Israël bundé l'ambo kanabango, bah Belen l'ambango. Biso veut tout élément. Kagame a dit la position bah bindéli. Et impérialiste, bah pesaier. Mission. Alors, bien que non, il joue pour le tout. Il faut à récupérer Mabélé. Mabélé, oh, il y a qui bah, signé un accord il y a le 23 mars 2009. Mabélé, wana. Il y a un accord à l'Emira, oh, Mouza signé. Oh, bah, quand on a la carte, il y a la constitution, il y a la constitution, il y a l'article 217. Quand on est là, Moukako, pourquoi tu as distancié dans le niveau haut? Mokézo Kende, le nom de la commissaire de sécurité, la carte, la porte à Kinshasa. Pour la nini, va créer trouble, insécurité, selon le régime au Kouéi. Il y a un pouvoir dans le Congo. Toujours rêver, papa. Tout la mouka, mes chers frères et sœurs, tout la mouka, chers compatriotes, tout défendre Mabélé Nabiso et Zali Congo. Laissez l'héritage au Nzambi, à Pessi Mission Nambo Kanabiso. Merci. Voilà. Mon numéro, c'est le plus 243 81 52 99 123. Plus 243 81 52 99 123. Isao Abino. Le président Marcel, le sénateur, nazo ben appelé le sénateur Nyonso, qui réunit à samedi à 15h30 chez Maman Siska, dans l'imité, Moutoumoko Zangate, pour finir sous ma stratégie pour aider notre parti et remporter l'élection en 2023. Voilà, Maton Domingi, na bandi ete tokutani na numéro mosusu botika la malamu na mabota na bino. Thank you.